atelier de créativité et de croissance. En ces temps de Covid, justement, où il y a peut-être un peu de désespérance, les personnes découvrent qu'ils ne veulent plus rester dans la même situation qu'avant, ils veulent évoluer. Et ce qu'on peut proposer, c'est un cadre de réflexion, justement. Venir déposer quelque chose pour ensuite s'ouvrir à de nouvelles perceptions de la vie, de nouvelles décisions et voir ce qui est possible. Et vous, dedans, Daniel, vous êtes... Je suis aussi psychothérapeute. Et donc, on a créé le centre, Christiane et moi. C'est vraiment redonner un espace où les gens peuvent venir se poser, déposer, et pour repartir à nouveau dans la vie et trouver peut-être une autre façon de faire, une autre façon qui leur permet d'être plus fort par rapport à tout ce que la vie leur tombe dessus, quoi. Tout ce que... Christiane, quel genre de réflexion parle Daniel ? Alors, justement, on a aujourd'hui, on travaille certaines pistes hein, de réflexion déjà qu'on propose à ceux qui viennent. Et nous sommes en train d'explorer justement les différents stades de notre vie. Dans où est-ce que nous nous retrouvons vers, dans quel sentiment, quelle émotion nous habite en ce moment même par rapport aux différentes structures de la vie. Nous pouvons nous retrouver dans quatre dimensions, je peux dire, plutôt quatre types d'émotions qui nous accompagnent. On peut se sentir victime d'une situation. Il y a des situations qui nous tombent dessus, comme le Covid est arrivé, des difficultés de tout genre nous tombent dessus et on se sent victime, enfermé, emprisonné dans une situation et on est désespéré ou on peut se victimiser soi-même et ou alors réagir et se faire encore plus mal dans cette situation. Mais Daniel, ce ne sont pas quatre stades pareils. Les stages ou les stades ne sont pas équivalents. Non, chacun est dans un... Enfin, on traverse un peu tous par ces stades-là. Mais en ce moment, justement, ici, on travaille l'ici et maintenant. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin le plus de m'occuper ? Peut-être qu'avant, ça allait très bien, mais aujourd'hui, cette partie de moi-là ne va pas du tout. Donc, c'est ça. Demain, ce sera autre chose. Hein, notre philosophie, c'est de ici et maintenant est un moment où des choses se passent, demain c'est autre chose. On sait très bien que dans notre vie, nous avons tous des choses qui ne nous donnent plus aucun plaisir. C'est l'effet de la routine, c'est le fait de se lever le matin, de faire les mêmes choses et aller. On n'en sait rien, mais en tout cas. Ce que nous proposons, c'est de passer de ce stade de victime à une autre étape. La deuxième étape aussi, on peut aussi penser que la solution va venir, oui, mais de l'extérieur. Dieu va intervenir, les amis vont intervenir, l'autre va changer. Ça aussi, on peut se retrouver dans cette étape un peu enfermante parce qu'on attend. C'est l'autre qui nous amène le bonheur, c'est l'autre, hein, on dépend de l'autre pour être heureux. Et on a l'impression qu'on ne peut pas faire seul. Hein, c'est le mari qui décide de tout. Sans lui, je suis perdue. Je voulais dire, c'est pas la fameuse manque de confiance en soi qui fait qu'on met tout sur l'autre. Je vois beaucoup de coups, vous avez dit. Il y a différents éléments depuis notre... Hein, on a été formés par les parents, par les soeurs, et on s'est adapté. En se décentrant de soi-même. Voilà. On était justement protégés par les parents pendant plusieurs années de notre vie. Et on a cru aussi dans cette force qui vient de l'extérieur, les plus grands que nous. Il y en a qui savent plus que nous, il y en a qui peuvent plus que nous. Et puis, comme Daniel dit, on n'a pas suffisamment investi dans nos propres compétences nous-mêmes. On ne nous a pas appris. On nous a appris à être toujours... C'est important les liens, c'est important les relations.
Il y a un moment, qui sommes-nous dans la relation? Qui suis-je, vais-je? Voilà. Comme disait Coluche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette journée du 1er octobre, comment on va se passer? Là, j'ai vu des petits groupes de deux ou trois personnes. Alors, est-ce que dans ces groupes de personnes, vous avez mis ensemble peut-être quelqu'un qui a un problème au stage 3 ou au stage 2, ou bien vous avez fait un mélange par rapport à l'âge? Comment vous avez déterminé les groupes de travail? Les gens se sont choisis entre eux. Je crois qu'il y a déjà, quand on se met en groupe, il y a déjà quelque chose qui vibre en chacun. Il y a un regard. Il y a une présence et nous sommes attirés l'un envers l'autre de manière inconsciente parfois. Mais quelque part, il y a quelque chose qui vibre ensemble. Qui est déjà avant qu'on parle, il y a déjà quelque chose qui a déjà commencé. Est-ce que ce sont des total strangers, totalement des étrangers qui ne sont jamais vus, ou bien vous avez des amis qui sont un petit peu proches de quelques années, mais si vous mettez ensemble, ça va diffuser le purpose. Un peu de tout, généralement. Il y a toujours un ou deux qui viennent pour la première fois. Il y a d'autres qui se connaissent, mais on ne sait jamais. On est ici et maintenant, on est une autre personne. On est dans chacun dans une recherche, on est chacun dans une découverte de soi. Seulement ceux qui sont curieux d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux vont revenir et vont déposer ce qu'ils connaissent déjà pour essayer d'évoluer encore, d'explorer aussi. Daniel, évoluer, c'est facile dans ces temps de maintenant. On a perdu son travail, les parents, il y a la mort, il y a des trucs de tous les jours, plus on a mis le Covid. C'est jamais facile hein, dans la vie en général. Hein, on dit pas que la vie est facile. Et il y a toujours, en nous hein, une force qui nous pousse à faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a des obstacles. Soit il y en a qui s'arrêtent au premier espace, qui disent « je ne peux pas, je ne pourrai pas aller plus loin, je suis perdu, enfin, etc. etc. » Mais il y en a d'autres qui disent, mais non, il y a toujours un moyen de contourner. Et... De toute façon, il y aura toujours une dimension de nous qui nous pousse à pouvoir évoluer encore. Parce que si toutes nos dimensions sont comblées, on n'a plus... Rien à attendre. Rien à faire. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous voulez voir surgir? Je ne possède rien. Chacun connaît où il veut aller. Je mets en place une structure, je crée un espace, comme disait Daniel, énergétique, où il y a l'énergie va circuler. Chacun dans son être apporte un élément, et c'est l'ensemble, tout ça, qui fait qu'à un moment, nous sommes remis en face de nous-mêmes, nous sommes... en face de nouveautés, de nouvelles perceptions, parce qu'il y a une connexion d'énergie et quelque chose circule en nous. Et vous, Daniel, vous attendez quoi? Et surtout, moi, j'attends rien. J'attends que ce qu'on met en place, c'est justement un regard inconditionnel, c'est-à-dire que chacun se sente accepté. Peu importe ce qu'il est, peu importe où il est arrivé, et d'essayer de comprendre l'autre. Et le fait de se sentir compris, accepté, je peux être moi-même. C'est ça la vraie rencontre, au fait. Le moment où quelque chose s'arrête pour nous, où on est dans une nouvelle relation, un nouveau regard, un nouveau visage, un nouveau sourire, une nouvelle histoire. Notre activité mentale s'arrête sur notre sort, parce qu'on est en train toujours de cogiter. Et c'est là que les choses se passent, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau reçoit une nouvelle vibration. Et surtout, le groupe est très puissant pour vous faire ça, les vous choses évoluer. Nous, on est là ça? Juste pour accompagner. Accompagner. Mais c'est eux, ça se passe dans le groupe. Le groupe se gère lui-même. Et... Je m'attendais à une réponse, peut-être. On attend, on peut faire une deuxième, une troisième, que ça vienne peut-être un truc mensuel, vous voulez faire... En fait, l'idée, c'est de cheminer pendant un peu de temps avec ce groupe.
Donc c'est un parcours, c'est un parcours de ces séances comment ça va être, ça peut être selon les personnes ou tous les mois, ça va dépendre du rythme des personnes. Et puis les thèmes sont des thèmes que nous connaissons tous, sauf que lorsqu'on les reprend avec d'autres personnes avec une autre approche, il y a des nuances qui se passent à l'intérieur de nous parce que c'est nouveau. Et c'est la nouveauté qui va redynamiser et redonner une autre saveur à ce que nous connaissons déjà de nous-mêmes. Nous n'apportons rien de nouveau. La personne va se goûter sa propre présence dans une autre saveur, autour d'autres mots. Voilà.